Bonjour, monsieur le directeur. Vous avez Mohamed Chérif Koulibaly, journaliste à lari223.com. Monsieur le directeur, comme vous le savez, toutes les structures dans leur vie quotidienne rencontrent des difficultés. Et le CFE ne fait pas exception à cette règle. Alors, l'occasion pour nous d'évoquer les difficultés rencontrées par le centre. Il semble que le programme danois que le CFE hébergeait et qui lui permettait de faire la formation en photographie conceptuelle et commerciale arrive à son terme. Comment entrevoyez-vous l'avenir du centre à la fin de cette collaboration avec le Danemark? En d'autres termes, quels sont ou quels seront vos appuis, vos nouveaux appuis pour assurer la survie du centre? Merci. Alors, je m'appelle Youssouf Sogodongo, directeur du centre. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, toutes les structures connaissent des difficultés. Effectivement, le CFP, on connaît beaucoup de difficultés. Depuis que Helvetas Mali a arrêté son soutien financier, parce que c'est Helvetas quand même qui est le soutien historique de cette formation-là. Nous avons commencé à connaître pas mal de difficultés parce que le financement que donnait le Helvetas, ce n'est plus le même financement que nous avons hérité. Donc il était de notre devoir de pouvoir mener des activités de prestation, puisque le centre a un laboratoire, pour nous permettre de prendre certaines charges. Et évidemment, ce laboratoire n'a pas pu jouer son rôle du fait que, je vous disais, que le centre a été créé pour soutenir et accompagner les rencontres africaines de la photographie. Il était supposé que ce centre-là puisse faire des tirages, une partie des tirages des rencontres africaines de la photographie. Bon, malheureusement, ce qui n'a pas pris forme comme ça se devait. Bon, ça c'est la première difficulté. Donc la deuxième difficulté, c'est que nous avons eu le partenariat maintenant avec le Danemark par l'intermédiaire de Helvetas. Bon, donc nous avons fait trois années pilotes pour pouvoir que le Danemark puisse valider cette formation-là, et nous avons signé une convention de 4 ans. Et ces 4 ans prennent fin cette année, au mois de septembre. Bon, et c'est vrai que c'est un souci pour nous parce que tantôt je vous disais que nous faisons des formations de 2 ans. Et nous avons une promotion qui ne termine pas alors que le programme danois est à terme. Donc ça c'est déjà un gros problème parce qu'il faudrait bel et bien que nous puissions terminer la formation de ces jeunes-là. Bon, nous sommes en pourparlers, donc nous allons rentrer en pourparlers avec l'ambassade du Danemark parce qu'il faut vous dire que c'est un financement du Danemark venant du CKU. Le CKU, c'est le Centre danois pour la culture au Danemark, qui nous finançait à travers le Danemark. Bon, maintenant, c'est eux qui ferment et nous allons nous retourner vers maintenant l'ambassade du Danemark pour voir comment au moins terminer la formation de ces jeunes-là. Maintenant, l'avenir du centre, c'est le plus important. Bon, nous sommes d'arrache-pied depuis que nous savions que le programme devait prendre fin. Nous avons fait pas mal de démarches quand même pour obtenir de nouveaux partenaires. Bon, pour l'instant, je vous avoue qu'on n'a pas de partenaires. Bon, nous sommes en train de voir avec Mamou Dafé, que vous devez connaître. Il doit être un partenaire aujourd'hui financier au niveau de la culture. Bon, nous ne l'avons pas encore approché directement, mais nous avons un rendez-vous. Bon, on ne peut pas compter sur ça pour l'instant. Mais si l'ambassade accepte la rallonge pour terminer la formation des jeunes, nous allons profiter de ce temps-là maintenant pour encore multiplier les recherches de fonds. Pour la suite de ce centre.
Merci bien, monsieur le directeur, de nous avoir accordé ce temps pour pouvoir parler des difficultés rencontrées par le centre. Et je vous remercie. Merci.